Bof. Alors ici, je pense que build up c'est bien. Ici, bah c'est bien d'avoir quelqu'un pour protéger. Bon, ça c'est niveau 1. On va garder les Jiku. Hein. Allez, c'est parti, on va espérer que ça survive. Hein. On va espérer survivre tout ça. Oh putain. Lui, je l'aime déjà pas. Fire 2, hein. Ça me semble pas con. Bon, toi, tu vas en commencer par... Totalement. Mais totalement. Mais ouais. Oh bobo. Oh gros bobo. Cadavre. Je vais mettre un régène, histoire de dire. Oh, oh les putains de dégâts de malade. Oh sérieux, les dégâts de psychopathe. Alors... allez, popo. Voilà. Ça augmente la survivabilité à court terme. Putain. C'est tellement pété Mystic Knight. Mystic Knight c'est tellement pété. Attends. Fire 2 ou Weapon à 3000. Le mec il fait du 3200 avec un build up et Fire 2 Weapon. C'est tellement épique. Deux attaques à plus personne. Un Mystic Knight c'est craqué. Quand on utilise les bons éléments c'est pété. Putain de puissance délirante. Ouais, il faut avoir une bonne mémoire pour se souvenir comment on passe. Parce qu'il vaut mieux éviter le désert, en fait. Là, la grande blague, c'est éviter le désert. Parce que les mobs du désert, ils font mal. Voilà. Voilà. Donc ceci était un boss et ceci était un Mystic Knight. La putain de puissance de barbare. On va quand même utiliser une tente. Oui, il y a Oli comme sort dans FF5, c'est pour les White Mage et c'est pas encore. Oh mais le pétage de boss quoi. En même temps mettre un mort-vivant quand on peut taper Fire c'est pas une bonne idée hein. Mais bah c'est bien, si je t'ai donné envie de rejouer à FF5 c'est que je fais bien mon boulot. Oh mais le pétage de mob. Ils peuvent peut-être enchant Oli, ça je suis pas sûr. Non mais là ce qui faisait que ça faisait mal c'était surtout le build-up avec une arme enchantée en feu quoi. Oupo.
Coupo, Coupo, Coupo. 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 Coupo, coupo. Coupo, coupo, coupo. Coupo, coupo, coupo. Coupo, coupo. Coupo. Coupo, coupo, coupo. Coupo. Donc on va regarder si je peux. Ah. Tellement pété. Putain, s'il peut voler, c'est tellement pété. Mais c'est qu'à haut niveau en même temps. Coupo. 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 Ah, ça aussi c'est pété. Ah, ça c'est une bonne idée, ça, avec des coupeaux de chocolat. Ah, mais là je vais pouvoir augmenter la puissance ici. Coupo. 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 Je suis en train de prendre un coup de froid d'un coup. Coupo. Coupo. La magie des Final Fantasy, Fantasma. La magie des Final Fantasy. Ils se sont coupés en 4, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis réellement en train de m'endormir en fait. Là, on arrive à une sorte de fin de chapitre, donc ça me semble un bon moment. Coupo, 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 coupo. Coupo, coupo, coupo. Coupo.
Moi, je l'aime bien, son cri. Mais ça m'éclate de faire coupeau. Donc, j'ai continué. Coupeau. Coupeau, coupeau, coupeau. Coupeau. Coupeau, coupeau. 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 Coupeau, coupeau. Coupeau. Bah, c'était l'instant coupeau. Regardez un petit peu mon retour caméra. Ça se voit pas tant que ça, mais je vous jure, j'ai les cheveux qui sont... j'ai les cheveux qui sont en train de se fermer totalement. Voilà, je suis fatigué à ce niveau-là. J'ai les yeux qui sont en train de se fermer. J'aime bien les mugs. Les mugs, ils sont trop choupis. C'est trop choupi kawaii un Moogle. D'ailleurs, c'est un truc dans c'est un truc qui manque à FF7, des Moogles. Il y a juste le petit jeu d'arcade avec les Moogles et je crois que c'est à peu près tout ce que t'as. Si t'as de temps en temps, t'as un Moogle qui chevauche le chocobo dans la vocation. Ah oui, ça marchera mieux si je remets le focus sur la fenêtre. Les mugs, c'est super pour boire le thé et le café. N'oublions pas le café et le lait. On remet le roi sur son trône, hein, parce que c'est l'heure de faire caca. Ne l'oublions pas. Toujours mettre le roi sur son trône quand il doit faire caca. Oui, je suis capable d'avoir l'air sérieux en disant ça totalement. Je pensais que t'étais juste un vieux schnock, mais en fait t'es un roi. Ouais, je suis aussi un vieux. Et j'adore le concept. C'est le gars qui se ramène vers le roi, il fait... Mais je croyais que t'étais juste un vieux schnock. Les mocs, c'est pété. Les mocs, c'est surtout choupi. Moi, ce que je demande aux mocs, c'est surtout d'être choupi. Alors, il y a un point de sauvegarde ici, donc je vais y aller tout de suite. Et donc... Je vais donc m'arrêter ici pour raison de... Je m'endors sur place et c'est pas cool. En tout cas, merci d'avoir suivi le stream. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un raid. Avec un peu de chance, il y a quelqu'un raid. Et ce serait cool s'il y avait quelqu'un raid. Y a-t-il quelqu'un raid? Oui, il y a plein de monde à raid. Qui vais-je raid? Voilà, j'ai une idée débile de message de raid, donc on va en profiter de pouvoir le faire. Hein. Ouais, non, Galuf, il est sympa, ouais. Enfin, non, on dit pas Galuf, on dit Bowo. Et donc, le message... Voilà. Bonne nuit, et puis, du coup, à demain.
Demain matin, Zelda. Demain après-midi, FF14. Des bisous, salut!